Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre tour d'horizon des performances individuelles au PSG en ce début de saison avec celui qui mène la barque, Christophe Galtier. Alors il est arrivé en juin au milieu du projet Luis Campos, des critiques, du scepticisme ou du moins de certaines interrogations. On va pas se le cacher, à ce moment-là, on prenait l'indulgence vis-à-vis de ses premiers résultats et on voulait un petit peu du long terme. Par rapport au projet Luis Campos, au final aujourd'hui on est sur une tendance qui est complètement inversée parce qu'il a réussi plus que réussi ses débuts et l'idée c'est de pas trop s'enflammer parce qu'on sait très bien qu'au PSG tu es attendu en février mars et si tu ne réponds pas aux attentes à ce moment-là tout ce qui a été fait autour est oublié bien évidemment j'ai grossi le trait mais en gros c'est l'enjeu dans tous les cas Christophe Galtier a tout de suite affirmé une volonté euh, tactique très claire le système à trois et politiquement Jusque-là, il n'y a pas eu d'accro à part cette histoire de char à voile, mais qui ne touche pas au terrain et au football plus particulièrement. Bref! Installez-vous, on va commencer par bah, retracer, même si c'est un historique assez court, il arrive à la mi-juin, il est présenté début juillet je crois au Parc des Princes, cette fameuse conférence de presse réussie pour Christophe Galtier, même si au début tu sens un petit peu de tension, peut-être de stress. Il dit qu'il a une idée très précise de ce qu'il veut faire de Neymar, alors qu'à ce moment-là il y a justement toutes les rumeurs de départ, ensuite il y a le mercato, on y reviendra, ça n'a pas placé Christophe Galtier. Dans le plus grand des conforts, une tournée au Japon, le premier trophée contre Nantes évidemment en Israël, le trophée des champions, des débuts Tony Truand, jusqu'à ce fameux match contre Monaco qui est bah, loupé d'un point de vue comptable, match nul, et puis derrière évidemment une petite baisse de régime parce que les scores sont moins fleuves et les organismes des joueurs un petit peu moins électriques avec moins de tonus peut-être qu'on se préserve plus pour la Coupe du Monde. Même si bien sûr au final, à l'instant T, c'est réussi en Ligue des Champions, tu es à 6 points sur 6, tu sors d'un gros match quand même euh, contre Lyon, tu as assuré contre le bas de tableau en Ligue 1. Pendant longtemps, l'OM t'a suivi au nombre de points, même s'ils en ont lâché contre Rennes à la dernière journée. Enfin, parce que nous, de notre côté, ça excusait le manque de turnover de Christophe Galtier, fallait suivre la cadence en Ligue 1 et surtout pas laisser deux points. D'un point de vue communication, il y a beaucoup de conférences de presse qui sont plaisantes. Il y a eu le dossier Kylian Mbappé qui est toujours ouvert, d'ailleurs, hein, parce qu'il continue ses petites déclarations par-ci par-là. Et surtout cette histoire de char à voile. Dans cette vidéo, on n'en parlera pas. Je crois que j'en parlerai d'ailleurs jamais parce que. En fait, ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Voilà, oui, il a fait une erreur de communication. Euh, évidemment, on va pas se le cacher. Les ricanements, les ricanements avec Kylian Mbappé sont quand même très malvenus. Accusons le coup. Mais retrouver un journaliste qui pose cette question à la veille du retour de la Ligue des Champions au PSG, c'est aussi quand même assez euh, voilà, rocambolesque, on va se le dire. Euh, surtout que bon, l'entraîneur du PSG n'a absolument rien à voir avec euh, l'organisation des déplacements de l'équipe. Et surtout bah, tout ce qui est aspect financier et sécuritaire que ça entraîne. Bref, ne nous éternisons pas là-dessus parce que c'est vrai qu'en ce début de saison, en fait, cette histoire a dépassé le cadre du foot. C'est incroyable en fait, ça a touché tout le monde, ça en parlait sur tous les plateaux télé, et du coup aujourd'hui tous les Français ont entendu parler au mois de septembre, ça, est, ça, ça fait partie en fait du top 5 des faits marquants du mois de septembre en France, tout, 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 euh, tout domaine confondu en fait. Médiatiquement ça a eu un écho mais absolument retentissant, énorme, et c'est pour ça que je voulais quand même avoir un petit mot euh, pour cette affaire, du point de vue terrain, évidemment comme je le disais Christophe Galtier arrive avec une idée très claire concernant le mercato parce que ce mercato, il voulait le traduire par un système à 3 qu'il a bossé tout de suite lors de la tournée au Japon et qu'il n'a jamais abandonné jusqu'ici. Même si pour l'instant ça tient mais il y a quand même des pressions sur un retour à 4 derrière pour avoir plus de densité de nombre au milieu de terrain et des défenseurs centraux un petit peu plus à l'aise même si évidemment ça nuirait à à euh, Neymar Messi pardon. Et nos latéraux, Bappé que je citais justement, qui serait lui par contre un grand gagnant d'un retour à un 4-3-3. Bref, dans tous les cas, premier point, c'est inédit. Ce qui se passe est complètement inédit sous l'RQSI. On a un entraîneur qui est arrivé, qui a le soutien absolu, qui est surtout sur la même longueur d'onde que son directeur sportif, conseiller sportif, Luis Campos, machin. Bref, donc ça, ça fait plaisir. Et surtout, il a réussi à imposer son idée très rapidement et sur, pff, sur la durée même si là quand même je prends des pincettes euh, le match enfin la double confrontation contre benfica la semaine prochaine et celle d'après ça va être capital dans cette histoire de système parce que si tu te fais bouger si tu perds des points ou si tu perds tout simplement va se poser obligatoirement la question du retour à 4 derrière voilà donc rendez-vous dans 15 jours 3 semaines pour parler de ce fameux système mais dans tous les cas jusqu'à aujourd'hui, tu as joué à 3. Oui, parce que bon, après la double confrontation contre Benfica, tu as un classico et un match contre la Juventus, mais globalement pas vraiment d'enjeu. C'est pour ça que aujourd'hui, crier au scandale sur le manque de défenseurs central, ça mérite d'être relativisé parce que tu vas avoir un mercato en janvier et on va pas se mentir, là l'enchaînement des matchs d'octobre, bon, c'est pas non plus les plus prestigieux. Voilà, tu as déjà assuré 6 points en Ligue des Champions quand la Juve est à 0. Bien sûr que du coup, tu vas tout jouer sur le match contre Benfica. Bref, donc dans tous les cas, système à 3. Il a juste fait des petites courbettes par rapport à Kylian Mbappé, ça j'en suis certain. Mbappé commence le match contre Montpellier, ce fameux en août, axe droit. Et au final, au cours du match, il repasse en fait axe gauche. Et depuis, on ne l'a plus jamais vu en fait proche d'Akimi en tant que numéro 9 pur ou dans le demi-espace droit. Tu vois ce que je veux dire donc là, évidemment, qu'il s'est plié à la volonté de Bappé, qui a une influence gigantesque en interne et qui veut préserver son axe gauche. Donc il a réussi ça. Premier combat gagné. Maintenant, Bappé est dans un deuxième combat. Préserver le registre qu'il avait la saison dernière, à savoir, évidemment, euh, jouer plus de au jeu, descendre pour avoir de l'influence à la base, à la construction, et délivrer des passes décisives. Parce que la saison dernière, Mbappé il marque quasi autant de buts qu'il délivre de passes décisives. Aujourd'hui, je crois qu'il a tout simplement fait aucune passe décisive depuis le début de la saison. Même s'il y a quand même certaines occasions, comme le poteau de Lionel Messi contre Brest, où ça mérite une passe décisive pour Kylian Mbappé. Sur ce système à 3. Évidemment, il y a deux choses à dire. D'abord, l'animation défensive. Je l'ai toujours dit, Marquinhos dans l'axe et Ramos à droite. Il faut inverser. Voilà, on s'en fout que Marquinhos fasse le contre-pressing. Il est complètement paumé. Il n'a pas pris la mesure de son rôle et au final, ça conduit à des prestations assez euh, pas, pas mauvaises ni catastrophiques. J'en ai fait une vidéo, mais Frustrante, voilà, c'est le mot, parce que tu as l'impression d'avoir un joueur qui est dans la suffisance, qui fait le minimum et qui s'en fiche un petit peu de péter son plafond de verre ou de surperformer. À droite, il serait beaucoup plus à l'aise, voilà, parce qu'il ferait plus jouer ses qualités de vitesse, évidemment, et euh, il aurait moins de duels à jouer. Au contraire, Sergio Ramos à droite, assez compliqué, évidemment, les 1 contre 1 face à des ailiers qui ont du ballon et de la vitesse, dans l'axe, il, en, il aurait un petit peu moins euh, de ce genre de situation à jouer. Tu peux même imaginer aujourd'hui avec l'absence de Kim Danilo dans l'axe, euh, Ramos à gauche comme il l'a été tout au long de sa carrière et Marquinhos à droite. Seul petit point sur lequel voilà je pense qu'il faut revenir. Et ensuite bien sûr bon euh, le milieu de terrain parce que tu as un double pivot qui a beaucoup trop d'espace à couvrir, ça nuit évidemment à leurs performances qui aujourd'hui sont exceptionnelles. Mais les deux surperforment en fait. Verati par exemple contre le Maccabi Haïfa, il fait un mauvais match très clairement pour ses standards. Euh, bah c'est mauvais. Et Vitinha, il va pas continuer sur cette lancée indéfiniment en fait. Voilà, euh, c'est pas possible tout simplement parce que les mecs, euh, voilà, ils ont trop d'espace à couvrir, trop de courses à effectuer. Et surtout, avec le milieu terrain, tu peux faire un lien vis-à-vis -vis du mercato. Mercato dans lequel t'as pas recruté en défense, tu as surtout vendu deux joueurs de rotation Kereur et Abdou Diallo. Au milieu de terrain, tu as euh, voilà, surreprésenté l'Espagne, bon alors Carlos Soler, euh, Fabian Ruiz, Vitinha bien évidemment, as... donc en fait, tu as construit ton effectif pour jouer à quatre derrière alors que la volonté de ton entraîneur, c'était à 3. On sait que le point névragique ici, c'est le dossier scrignard, parce que si tu recrutes un défenseur central, évidemment que là, numériquement, t'es beaucoup mieux, t'as plus de solutions, et tu peux mettre en place ton système à 3. Surtout que, n'oublions pas, aujourd'hui, on parle après le Mercato, mais pendant le Mercato, on avait aussi l'interrogation Sergio Ramos. On ne pensait pas qu'il allait enchaîner comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ça permet un petit peu de préserver le système A3 des critiques parce que globalement bon, il fait ses matchs, même s'il y a quand même des choses à redire sur Sergio Ramos. Et surtout, les matchs il les enchaîne en fait. Parce que s'il y en a un qui se pète là sur les trois actuels, eh ben c'est tout de suite retour au système A4. Peut-être que tu peux faire jouer euh, Mukele, mais derrière, en termes de coaching, bah, tu peux pas remplacer Ashraf Hakimi et tu peux remplacer personne en cours de match dans l'axe, à moins que tu fasses jouer euh, El Shaddai, Bichabu. Mais ça m'étonnerait, le garçon est quand même assez jeune et euh, surtout, surtout c'est un, un joueur que euh, je lui trouve des défauts, des axes de progression en fait. Donc euh, voilà, il faut le, le préserver par un prêt ou, euh, ou évidemment en étant un petit peu plus patient avec lui qu'avec un Warren Zahir Emery par exemple qui lui par contre a la maturité pour commencer. Ce serait bien de lui donner des minutes d'ailleurs dès le marathon d'octobre parce qu'on sait que le tandem Galtier Campos a refusé la retenue. Zahir Emery cet été, alors qu'il avait un accord avec Lens, je crois, pour être pour être prêté, voilà, en lui promettant évidemment du temps de jeu. Bref, donc le système A3, c'est une satisfaction, même si tu as quand même deux, trois choses à redire. D'un point de vue comptable, tu restes en lien sur 4 clean sheets. Voilà, même si en Ligue des Champions t'as encaissé deux buts en deux matchs, ça il faut pas l'oublier. Donnarumma a brillé hier avec l'Italie et je trouve que bah voilà, depuis le match contre le Real Madrid, tout le monde perd les pédales en fait dans la justesse des analyses sur Donnarumma. Oui, il a des défauts, euh, la gestion des sorties aériennes notamment sur les coups de pied arrêtés et les sorties de balles parce que ses qualités de relance ne sont pas celles d'un gardien moderne, disons. Voilà. Euh, il est grand donc c'est un petit peu compliqué avec le ballon euh, tu as l'impression que ses pieds sont des palmes et que ses jambes sont euh, bah voilà c'est compliqué à manier. Bien sûr, il y a des dingueries contre la Juve, euh, voilà, il est incriminé sur le but, comprend. Parfois, il se fait un petit peu peur, mais dans sa globalité, par exemple contre Brest, si on gagne le match, c'est grâce au but de Neymar, mais surtout grâce au penalty qu'il arrête. Il fait des bons matchs et à la relance, bah, je suis désolé en fait. Le taux de réussite de ses passes est très très élevé et il prend des risques pour l'équipe. Alors, des fois, ils sont un petit peu inconsidérés. On, on est tous d'accord pour dire que Donnarumma, c'est quelqu'un. Bon, il en a. Enfin, il a l'air d'être un petit peu neuneux, quoi. Pour, pour grossir le trait, je fais caricatural, vous savez que je l'adore. Mais voilà, il est peut-être un petit peu long à la détente parfois. Euh. Mais dans tous les cas, la plupart du temps, bah, la prise de risque, elle est avérée. Voilà, ça paye en fait et ça fait plaisir. Surtout qu'il a la difficulté de pas avoir en fait de point d'appui pour dégager. La... Quel en avance, on pouvait rien lui reprocher à la relance, si ce n'est de balancer des parpaings qui finissaient souvent en touche ou dans les pieds de l'adversaire. Parce que balancer devant, ça sert à rien au PSG. T'as personne qui va jouer de son jeu de tête. tapin un à Olivier Giroud ou au milieu de terrain, un Sergei milinkovic pour faire un lien avec les derniers mercato. Qui peut reprendre les ballons et les conserver Vitinia, Verratim n'ont pas sauté bien haut. Hein. Neymar, Messi, idem. Et Kylian Mbappé, bah visiblement, ça, ça ne l'intéresse pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir le ballon, faire décrocher, dépassement de jambes entre les lignes. Malheureusement, aujourd'hui, Neymar et Messi sont au sommet de leur art et ils te fracassent dans ce registre. Bref, autre point à signaler, c'est que ça n'a pas trop bougé depuis Pochettino. Ça, c'est peut-être à mettre à l'avantage de Leonardo, parce qu'il y a beaucoup de joueurs recrutés par lui qui sont titulaires aujourd'hui, Donnarumma, Nuno Mendes, euh, bon, Marco Verratti, euh, Marquinhos du premier passage. Mais ce que je veux dire ici, c'est que cet été, on a recruté en sortie de banc, sortie de banc qui est sous-utilisée avec Christophe Galtier. Donc en réalité, il fait avec les mêmes armes que Pochettino, mais en mieux. Avec une autre structure, bien évidemment, celle qu'on a toujours attendue de Pochettino, qu'il a toujours refusée. Mais au-delà du fait qu'il l'ait refusée, c'est qu'il ne donnait pas d'explication. Il ne parlait pas aux supporters. Il n'expliquait pas ses choix. Ses conférences de presse étaient chiantes. Et évidemment, Christophe Galtier a fait un coup double en mettant le système à trois qui contente tout le monde et son effectif avant tout, à part bon, Kylian Mbappé, mais ça c'est la parenthèse. Et surtout, évidemment, les supporters. Auprès desquels il s'explique, lui. En matière de communication, c'est important, il est bon. Donc, ça, évidemment, on va le noter. Euh, il répond aux questions des supporters dans des termes assez euh, tactiques. Euh, ça crée euh, du lien. Même si on peut quand même se plaindre des questions qui lui sont posées, quand même. Hein. Les journalistes qui sont accrédités aux conférences de presse, pardonnez-moi, mais des fois, tu sais pas trop ce qu'ils font là. Voilà, des questions un petit peu euh, stupides. Ou alors, toujours extra-sportives pour faire parler, pour essayer de gratter un mot au-dessus de l'autre. Bref. Dans tous les cas, bonne communication de la part de Christophe Galtier pour ce qui est de son staff. Pas de blessure musculaire à signaler. Et ça, c'est important. C'était un enjeu par rapport à Pochettino parce que le staff de Pochettino bossait bien les corps. Voilà, les organismes, il les maîtrisait bien. Il n'y avait pas trop de blessures musculaires. Le peu qu'on ait eu, c'était en sélection en réalité. Verratti qui se blesse, Draxler la saison dernière avec l'Allemagne pendant cinq semaines derrière, il revient, il est absent. Mais pour ce qui est du PSG, pas de blessure musculaire. Donc évidemment, c'était l'enjeu d'avoir de la continuité avec ce nouveau staff. Eh bien, c'est le cas. Marco Verratti, oui, il s'est blessé. Enfin, c'est une contusion, un hématome contre Lyon, mais c'est un coup. Donc évidemment, c'est pas du ressort euh, du. Euh de, de l'équipe médicale et puis Presnel Kimpembe alors là oui c'est une blessure musculaire contre Brest mais bon quand tu vois le contexte tu, tu vas plus sur la piste du pétage de plomb et évidemment de la charge émotionnelle euh, qui était trop grande sur cette action euh, tout simplement qu'il n'a absolument pas euh, maîtrisé en fait son corps s'est déconnecté de son cerveau et tout ça pour dire que, bah, à part ces deux blessures, on n'a rien donc à signaler. Enfin, si, qu'elle en avance avec ses problèmes, mais bon, enfin, je crois que c'est les problèmes de lombaire ou je sais plus trop quoi. Mais un, il joue pas, et deux, il est vieux. Voilà pourquoi euh, Gianluigi Donnarumma a été recruté aussi. Bref. Évidemment, la plus grande force de Christophe Galtier, au-delà de sa communication vis-à-vis -vis des supporters, et je pense au sein du vestiaire, parce qu'il a réussi à se faire apprécier et à faire adhérer les joueurs à son idée, c'est qu'il met dans de bonnes dispositions. C'est star, il sait les utiliser. Ça, vraiment, Pochettino savait le faire qu'avec Kylian Mbappé. Par exemple, Marco Verratti a été trimballé n'importe où jusqu'à être ailier gauche en passant par numéro 10, Sentinelle contre Manchester City. Bref, c'était n'importe quoi. Neymar était isolé sur l'aile gauche et Pochettino a sa part de responsabilité dans ses mauvaises performances sur les dernières saisons. Mais si, évidemment, que lui faire coller la ligne à droite, c'était une aberration totale. Euh, donc globalement tu n'avais que Mbappé qui surperformait là quand même tu te retrouves avec Marco Verratti qui un, enchaîne et fait de grosses performances et le métronome de ton équipe même si euh, il n'est pas forcément dans des dispositions idéales, Neymar-Messi qui sont exceptionnels, Ramos pareil qui enchaîne et qui se trouve une importance dans le 11, Nuno Mendes aussi qui va probablement devenir très rapidement un pilier, donc ça ça fait plaisir bien évidemment maintenant le point négatif là je vais faire euh, en trois points le point négatif, ensuite les enjeux et enfin les axes de progression. Le point négatif, c'est le coaching frileux. Alors, oui, ils ne changent pas d'équipe. Je comprends qu'à chaque match, ils mettent la même équipe jusque-là. Parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Tu dois mettre ton style. Et en lien, on avait l'OM qui euh, traînait pas loin derrière nous, qui nous mettait la pression. Donc, évidemment, et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Donc, évidemment, ça, ça se comprend. Par contre, le coaching trop tardif, solaire qui rentre pour deux minutes. Hugo Equitiquet qui gratte des secondes. Ou alors... Euh, bah non, c'est tout. Quand, en parallèle, tu as Marco Verratti euh, et Lionel Messi qui, par, par moment, ont des petits creux en seconde mi-temps, Vitinha qui a une énorme débauche d'énergie même si lui est sorti, Neymar qui sort plus que Bappé, euh, Lionel Messi, là, tu peux te questionner. Et moi, personnellement, je me questionne là-dessus. Bon, euh, on sait très bien que là pour octobre il va y avoir du changement. D'ailleurs, tiens, pour le match contre Nice, parenthèse, je ne fais pas démarrer Sergio Ramos et Neymar, je mets un gros point d'interrogation sur lui. Pourquoi Parce qu'il joue ce soir contre la Tunisie, à la différence de Kylian Mbappé qui aura quand même eu six jours complets pour se reposer. Lui, il en aura eu deux en moins. Et surtout, Neymar et Ramos sont sous la menace d'une suspension en cas de jaune, suspension qui sera purgée lors du Classico. Voilà, donc si Neymar ou Ramos prennent un jaune samedi contre Nice, ils seront suspendus pour le classico. Pardonnez-moi, c'est pas que j'ai peur de l'OM, mais je préfère les avoir contre eux que contre Nice. Tu vois ce que je veux dire Surtout que au sifflet samedi, c'est Jérôme Brizard. Jérôme Brizard, c'est qui C'est celui qui avait mis la tonne de cartons jaune lors du match en 2020 contre l'OM au parc, là, quand on perd 1-0 avec Neymar, les histoires de, de racisme, la bagarre par Edes, Dimitri Payet, bref, c'était n'importe quoi. Il avait mis des jaunes à foison et au final, il n'avait pas du tout maîtrisé euh, les débats. Et surtout, c'est l'arbitre du carton jaune qu'il a mis, alors je crois que c'était ben, en février 2020, pareil, souvenez-vous. Maillot noir du PSG, Neymar teinture rose qui dribble contre Montpellier et qui prend un jaune pour avoir dribblé. Ça avait fait le tour de la planète, Neymar s'en était plein. C'était Jérôme Rizard. Donc évidemment, gros point d'interrogation sur Neymar ce week-end. Bref, revenons au coaching de Christophe Galtier. Au-delà de la gestion des organismes et euh, du turnover, jusque-là, ça lui a réussi puisqu'il n'y a pas eu de blessure, mais hein, s'il y en a une, évidemment que là, ce sera le premier... Euh à incriminer, parce que Ramos 36, 37 ans, Messi 35 ans, ne doivent pas démarrer tous les matchs, voilà, Lionel Messi le premier en fait, et au-delà de ça, là où je m'inquiète, enfin m'inquiète c'est un grand mot, mais là où j'ai vraiment des interrogations, c'est dans les grands matchs, par exemple contre la Juve, il fait un coaching tardif, tu sens que, bah en fait c'est pas, pas un entraîneur de Ligue des Champions en fait, c'est une compétition qu'il découvre, euh, je vais faire une comparaison, alors elle est osée parce que Massimiliano Allegri en ce moment il est assimilé euh, plutôt à Al-Qaïda qu'au football. Évidemment, c'est absolument un terroriste, voilà, avec sa Juventus qui est exécrable et il est impossible à limoger parce qu'il coûterait trop cher au club. Bon, bref, il est sous le feu des critiques, quoi. C est, c est... Et en plus, c'est une insulte au football qu'il est en train de, de, de produire. Mais dans tous les cas, ça n'en reste pas moins quelqu'un qui connaît très bien la Ligue des Champions. Et la première de ses qualités dans cette compétition, c'est son pragmatisme, son coaching. Les ajustements, à la mi-temps au Parc des Princes, il fait les ajustements nécessaires pour que la Juve retrouve du poil de la bête en seconde. Et ça se traduit sur le terrain, mais ça c'est Allegri qui est derrière, évidemment. Christophe Galtier, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment dans cette trempe-là, et j'espère que dans les grands matchs, il va avoir le nez fin. Parce que contre la Juve, il n'a pas vraiment eu, tu vois ce que je veux dire, contre le Maccabi Haïfa aussi, à pas faire de changement, attention la Ligue des Champions, c'est aussi du pragmatisme quand tu es coach et ça, ça me fait un petit peu peur. Tu vois ce que je veux dire, faire les bons ajustements au bon moment. J'espère que Galtier en est capable parce que ne bah, il l'a pas trop montré en fait depuis son arrivée. Bref, comme je l'ai dit plus tôt, la double confrontation contre le Benfica va être capitale là-dedans. Ensuite, les enjeux. Bon, faire tourner parce qu'il faut aussi contenter ceux qui sont sur le banc, Hugo Ekitike, Pablo Sarabia par exemple gérer le milieu de terrain, là se pose la question du système à 3, faudrait pas changer de système trop tard hein, parce que bah, au milieu de terrain, tu as des joueurs qui sont en surrégime total, voilà. Fabien Ruiz par exemple contre Lyon, il a tellement d'espace à couvrir qu'il flanche physiquement à partir de la demi-heure de jeu, c'est quand même assez tôt dans le match même si il n'avait pas démarré de match de foot depuis le mois de mai je crois. Et les sorties de balles. Ça, c'est vraiment un, un gros, gros axe de progression. Les sorties de balles, là, depuis ses débuts, en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est le domaine de jeu dans lequel j'ai vraiment, enfin, je peine à voir une progression. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est qu'il n'y a pas vraiment de progression. Donc, les sorties de balles, vraiment, à travailler avec des défenseurs un petit peu moins frileux, un petit peu plus à responsabiliser. Peut-être demander à Donnarumma d'allonger sur ses latéraux, qui sont quand même bons. Bah, pour contrôler poitrine dans, dans les airs en fait. Hein. Bon, ce pas les plus petits, ils sont physiquement assez bons. Évidemment, politiquement, bah, il a la gestion Neymar Mbappé qui est très compliquée, avec d'un point de vue tactique l'axe gauche du terrain devant qui est à occuper efficacement et à répartir. Euh bien entre les deux, et puis surtout, bon, la guerre d'Ego, ça, c'est pas anecdotique, quoi, c'est compliqué, c'est politique, bref. La finition, parce que euh, la différence entre le mois d'août et le mois de septembre, c'est que tu mets aucune valise au mois de septembre, bon, tu gagnes 3-1, peut-être, contre le Maccabi Haïfa, mais sinon, c'est tout, hein. 3-0 aussi contre Toulouse. Sinon, ce sont des 1-0, un 2-1 contre la Jume, des scores serrés qui, évidemment, ne ménagent pas les organismes sur la fin de match où, la plupart du temps, c'était quand même assez tendu. Bref. Les latéraux, évidemment, bah, il faut les mettre encore plus en lumière. Le système, on l'a vu, ils ont fait quelques statistiques. Hakimi est globalement encore trop délaissé euh, et Nuno Mendes aussi par moment. Donc voilà, il faut mettre plus de diversité, mais ça, Christophe Galtier l'a dit dans l'interview qu'il a donné au site du PSG hier, je crois, euh, mettre un petit peu plus en lumière les latéraux. Voilà les axes de progression du PSG de Galtier qui globalement réussit. Évidemment, son début de saison, ça fait plaisir de le voir euh, d'un point de vue comptable et surtout tactique faire adhérer un petit peu tout le monde, les joueurs, les supporters à son projet, on a hâte aussi bah, du mercato hivernal parce qu'il va avoir son défenseur central, ça va sûrement lui permettre de reconduire son système à 3 dans les grands matchs et sur bah, la totalité, la globalité de la saison, bref, bonne soirée à tous n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo euh, vous a plu, je pense avoir tout dit de Christophe Galtier, bonne communication aussi que j'ai souligné, bref Bonne soirée. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis on se retrouve très prochainement pour parler de j'ai une vidéo mercato en préparation tiens. Allez, bonne soirée. Ciao les amis.